Mardi 8 février 2023, la ville de Yamoussoukro abrite la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2022. Le prix honore chaque année des personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'UNESCO. Le choix de la capitale politique ivoirienne pour abriter la cérémonie n'est pas fortuit. Le choix de Yamoussoukro qui abrite la fondation Félix Houphouët-Boigny représente pour nous donc un vrai détour historique puisque c'est la ville natale de Félix Houphouët-Boigny lui-même, apôtre de la paix, dont ce prix porte l'illustre nom. Donc je dirais plutôt que le choix de Yamoussoukro obéit à deux principes et dont les deux encaténations donnent la perspective d'une Côte d'Ivoire définitivement tournée vers ce qu'elle devait être sous l'emprise de l'oufouettisme et des valeurs que le président Houphouët-Boigny a toujours voulu que cela soit le legacy qu'il a pu avoir en travaillant. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Georges Weah du Libéria, Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Macky Sall du Sénégal sont annoncés en terre ivoirienne à l'occasion de cette cérémonie.